C'est bizarre. Je suis autant heureuse que stressée. Moi, j'ai tellement hâte, ça va être trop bien de les voir et tout. Oh là là. Oh là 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 là. On rentre en mode... Chill. Vous faites quoi chez nous exactement? Wow, là wow. Qu'est-ce que wow. Vous foutez là? Le matin. Ça va? Salut. Salut. Mais les gens, ça va? Ça va et vous? Chanté. Ça va? Julien, du coup, pardon. Oui, salut. Ça va bien? Bienvenue chez vous. Ça va? C'est chez vous aussi. Hein. Oh my god. Le comeback. C'est exactement ça. Bien, nous sommes de retour pour leur jouer des mauvais tours. C'est ça, quelqu'un. Tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas. Non, on est de retour et on est trop contents de pouvoir partager ça avec eux et savoir un petit peu comment ils vivent l'aventure et leur parler de l'après, du pendant, de tout, de notre expérience personnelle, en fait, tout simplement. Je tiens au courant. Allez, la puce. On est venu prendre un petit brunch avec vous. Salut. Désolée, je suis désolée. Non, salut. C'est drôle, j'adore. Ça va? Attends, mais je... Are you okay? Salut, ça va? Mais what the fuck? Mais Nola, coucou. Oh, mais vous me faites une petite surprise comme ça, c'est trop cool. Je les vois, j'ai l'impression de rentrer juste dans ma télé. Et c'est vrai que ça fait super bizarre, en fait. Ces personnes-là sont dans le château avec nous. C'est trop cool. Oh là là, Louis, je pleure déjà. Je savais déjà. Mais ça va, toi, c'est pas ton Lily. Oui, moi, je sais pas, parce qu'il y en avait trois. Et moi, j'avais celui qui était mais sur ouais, le mur. Mais là, tu vois, il n'existe plus. Ah, donc, voilà. Forever. C'est trop terrible. Mais c'est trop chouette. Pardon. Mais dans un an, vous comprendrez. Ouais, bah oui. Ah, punaise, tu te souviens exactement ici? C'est quand on faisait la répétition de... Mais oui. De... Comment ça s'appelle? Nanana. Dirty Dancing. Time of my life. Dirty Dancing, ouais. Voilà. Et qu'il essayait de me séduire et d'être sexy. Je me souviens, il était comme ça. Il faisait comme ça. Là. Et moi, j'arrivais pas à m'arrêter de rire. Putain, on va pas le faire, là, le j'arrive pas à réaliser qu'on est de retour. Vous voulez de l'aide? Si vous en voulez pas, ça va très bien aussi. On est 12. On est 12, moi, je vais partir. On est 12. Je vais dans le Roi Lion, c'est super stylé. Il y a au Théâtre Mogador, encore plus stylé. Donc, tu ça sais va être... quelle partition tu vas faire, quel rôle? Aucune idée. Tu sais que là, je dis à mes potes que t'es mon amoureux spirituel, que tu le sais pas encore, que t'es mon amoureux spirituel. Non, t'es super. Non, bah attends, mais c'est gentil. Mais en fait, c'est le groupe. Le groupe, ouais, ça porte tellement. D'accord. Et du coup, on comprend un peu mieux. Tu sais, quand tout le monde pleure au premier prime, on est là, pourquoi ils pleurent? Et là, en fait, on comprend, parce que nous, au bout de deux jours, on pleure aussi. En fait. Mais parce que c'est un ascenseur émotionnel, ouais, en fait. Ouais, de vivre ça, c'est incroyable. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment trop bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très vite.